Bonjour, ici Julien Maurice et je voulais vous parler aujourd'hui du thème Adaptable. Alors, comme vous le savez, j'avais fait une formation, peut-être hein, si vous l'avez suivi, sur ce thème graphique. D'ailleurs, merci aux personnes qui m'ont fait confiance et qui ont acheté cette formation pour justement vous permettre d'avoir quelque part un beau Moodle à disposition. Alors, pour information, on est passé maintenant à Moodle 3.9 et j'étais un petit peu personnellement gêné, on va dire, du fait que, comme vous le voyez ici, dans la base de plugin Moodle, hein, sur laquelle on peut télécharger donc ce thème graphique, eh bien, on ne voit pas, eh bien, que le thème est compatible en 3.9. Donc voilà, je me suis dit, bon, on va attendre un petit peu, ça venait toujours pas. Donc finalement, j'ai testé, hein, ceci dit, l'installation de ce thème graphique ici en 3.9, ça fonctionne, mais il y a un petit détail, notamment pour activer le mode édition dans les cours, voilà une petite subtilité à ajouter, mais en gros, bon, il fonctionne. Mais voilà, j'étais pas très serein quand même de me dire que j'étais sur un thème qui n'est pas clairement homologué quelque part pour la 3.9. Mais finalement, après quelques recherches, eh bien, j'ai trouvé ce thème en version 3.9 ici sur GitLab. Donc ici, vous pouvez le télécharger et il est bien donc compatible pour le coup dans la dernière version. Donc voilà, il le précise bien. Et comme on voit quand même, il y a quand même pas mal de monde autour. Donc c'est assez rassurant, hein, de voir qu'il y a quand même pas mal de développeurs. Il y a pas mal de monde pour les tests. Il y a des gens également pour les traductions, etc. Donc voilà, ça fait plaisir de voir que c'est un thème vraiment qui est entretenu, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes hein, qui l'utilisent. Et voilà, il rappelle un petit peu ici bien, toutes les capacités quelque part de ce thème. Donc je vous mettrai ce lien ici dans la description de cette vidéo. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, hein, si vous êtes en 3.9, vous pouvez tout à fait utiliser ce thème. Il est compatible, il n'y a aucun souci, ce qui est quand même encore une fois très rassurant. Et du coup, donc au passage, eh bien, ce que je vais proposer pour les personnes, si vous n'avez pas encore pris la formation, donc ici on va un petit peu voir un petit peu à quoi correspondait cette formation. Donc dans le programme, il y avait 3h30, enfin il y a 3h30 de vidéos pas à pas, qui présente un petit peu donc ce thème graphique. Et c'est une formation accessible à tous, n'importe qui peut via cette formation eh bien, avoir quelque part un beau Moodle, c'est un petit peu la promesse de la formation. Donc c'est des vidéos où je montre un petit peu pas à pas comme ça comment designer pas à pas eh bien, votre Moodle. Et j'ai décidé donc de remettre cette formation à son prix de lancement, donc ce sera moins, on va dire, coûteux que le prix actuel. Donc pendant une semaine, vous pourrez bénéficier du coût de lancement à partir du moment où vous voyez cette vidéo, ce qui vous permettra, eh bien, pour ceux qui n'ont pas pris la formation, eh bien, de pouvoir vous former sur cette formation, sur ce thème graphique. Hein. Je vous montrerai un petit peu d'ailleurs ce qu'on peut faire avec. Ici, c'est la plateforme que j'ai utilisée justement pour eh bien, former, hein, enfin, que j'ai utilisée dans la formation en tant que telle. Donc je vais m'y connecter, comme ça vous donnera un aperçu plus précis. Donc pour rappel, avec ce thème graphique là, encore une fois sans aucune ligne de code, on va pouvoir faire une jolie page d'accueil avec un petit diaporama ici qui défile, des icônes, etc. Des cours qui sont présentés de manière assez design, comme vous voyez. On va pouvoir gérer comme ça des menus, alors un petit peu partout. Voilà des choses assez ergonomiques, des boutons d'aide, etc. Donc il y a vraiment des tas de choses qu'on peut faire avec ce thème-là. Et tout cela donc est dans la formation, donc qui s'appelle Mon Beau LMS, gratuitement et simplement donc avec Adaptable. Donc ici vous aurez donc bien sûr sous la vidéo un lien vers cette page donc de présentation de la formation. Donc 3h30 de vidéo, encore une fois, 26 étapes pensées pas à pas pour réaliser votre thème, donc et un prix de lancement. Donc voilà, écoutez, merci encore à une personne d'ailleurs qui écoute cette vidéo alors qu'ils ont déjà pris la formation. Merci pour votre confiance. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous aussi vous souhaitez avoir un thème design, un Moodle design, sans forcément avoir des compétences de designer, hein, c'est un petit peu là encore une fois la promesse de la formation. Eh bien, vous pouvez bien sûr accéder à cette formation donc pour une semaine, encore une fois, au tarif de lancement. Voilà, alors je mettrai encore une fois bien sûr le lien, surtout, hein, c'est l'information importante de cette vidéo, vers la version donc Adaptable pour la 3.9, sous la vidéo également, et je vous souhaite eh bien une excellente journée à tous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.